Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Star Wars The Old Republic. Chers amis, nous devons nous rendre ici vers le bâtiment de la matriarche des Twi'leks. Les Twi'leks qui sont une race assez particulière, vous allez voir. J'imagine, je pressens que la Twi'lek matriarche sera bleue et les autres seront rouges. On verra si je me trompe ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gens connaissent les Twi'leks bleus, mais qu'en fait, les Twi'leks bleus sont effectivement les plus rares. Pour la petite information. Hop. Village Kalikori. Village. On est encore loin du village, j'imagine. Enfin bon, là n'est pas la question. Ok. Allons-y. J'ai toujours pas trouvé l'interface, chers amis, de ce que je recherche, quoi. C'est embêtant. C'est embêtant. On va grimper. Apparemment, c'est par là. On n'a pas encore le sprint qui augmente la vitesse de déplacement de 35%. Malheureusement, ce sera au niveau 10 que nous l'obtiendrons. Pourquoi il y a eu un freeze? Chargement, j'imagine, changement de zone. Alors, nouvelle bestiole. J'aimerais en buter quelques-unes. J'aimerais en buter quelques-unes pour avoir un succès et réussir à comprendre où est l'interface de succès. Et je saurais pas. Je ne saurais jamais où est-ce qu'elle est cette interface. Droïde Astrom. Excuse-toi. Ministre de village. Ah, ça y est. Ah ouais, il y a les verts forcément qui sont les masculins. Si je me trompe pas. Je sais plus. Il me semble que les verts sont masculins pourtant. Et vu le buste de cette personne, c'est sans doute une femme. Bien qu'au niveau du visage, je dirais que c'est un homme. Marrant ça. Je sais plus au niveau des couleurs. Je ne sais plus. Niveau 6. Entrée du codex. Voilà. Espèce. Non, 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 il n'y a rien. C'est pas... Ça devrait être là. Succès titre. Non, c'est pas là. Ah, je sais pas. Je sais pas, chers amis. Là, pour le coup, je suis véritablement surpris. Il y a quelques bleus, c'est cool. Milice, speeder, marchand spécialisé. Je suis curieux d'aller voir ce qu'il a à vendre. Et dans le pire des cas, je peux lui vendre mes objets gris. Va te faire foutre. Aucun objet disponible. C'est le deuxième qui me le fait ce coup-là. Hein. Je veux pas dire, mais là, ça commence à faire beaucoup. Milice du village. Et dans le moyen. Marchand aussi dans le coin ici aussi. Forcément, il n'y aura pas de... Veuillez patienter. Examen et recherche de produits en cours. Hop. D'accord, ça doit être appuyé sur le bouton pour le trier. Après ok. Service, regagnez votre poste. Oui, il me donne pas d'ordre, déjà. Bonjour. J'aimerais débloquer ici, et j'aimerais aussi me rendre... Je sais pas combien de temps ça va me prendre de me rendre jusqu'ici. Ça me coûte cher, déjà, 20. J'en ai pas beaucoup, moi j'ai que 400. Hein. Ça me coûte littéralement la peau du cul, mais je vais pouvoir revendre tout ça de toute façon. Ça va me payer un petit peu de choses. La 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 la. C'est cool de pouvoir revisiter un petit peu tout ça. On aura pu ça, qu'on aura pu aller en speeder, remarque. Pourquoi s'embêter? Mais bon. Je pense qu'on est dans un jeu d'exploration quand même, minimum. C'est presque dommage, ils auraient pu, vous voyez, compte tenu du nombre d'ennemis à gauche à droite, rajouter une séquence, je sais pas, un truc de tir ou n'importe quoi. C'est mon avis, encore une fois. Pouvoir et aptitude de combat. Ah, il me demande de choisir. Je sais pas quoi prendre, moi. Je ne sais pas quoi prendre. Pour le moment, je ne sais pas quoi prendre. Fermé. Je vais sûrement passer à côté de quelque chose d'énorme dans le jeu, mais... Maître. Maître, maître. Je suis ravi de partager Tempête de l'âme avec quelqu'un d'aussi doué. Oh la vache. Ça a l'air d'être violent en termes de d'efficacité. On va aller voir. Défense. Grand portée parmi les Jedi. Les gardiens spécialisés en défense résistent aux attaques les plus violentes et peuvent donner autant qu'ils reçoivent. Même lorsqu'ils infligent des coups puissants, les gardiens spécialisés en défense peuvent réduire l'impact de n'importe quelle attaque, ce qui fait tous des éléments clés sur le fond de n'importe quel combat. Vigilance. Grâce à une discipline de concentration éclairée, les gardiens spécialisés en vigilance défendent en répondant aux attaques potentielles par un torrent offensif.
Ils vont au combat d'un pas vif et alerte, libérant un tourbillon d'attaques au sabre laser et de force, à la suite desquels leurs adversaires se demandent ce qui vient de leur arriver, s'ils sont encore conscients. Focus. Les voies de la force peuvent se révéler à un Jedi grâce à une concentration intense. Les gardiens spécialisés en focus utilisent les coups paralysants de leur frappe au sabre laser et la puissance de la force pour épuiser leurs ennemis et anéantir tous leurs espoirs de lancer une attaque efficace. Rafale concentrée, saut acharné, épuisement de force, découpage concentré. Ouais. Je vais regarder les pouvoirs. Fer plasmique. Un plasma ardent, infligeant. Oh, ça c'est stylé, mais je... Enfin, ça me semble pas. Lame tourbillonnante. Frappe vigilante, d'accord. Frappe protectrice. Fente protectrice. Coup de poignet. Appel du protecteur. Ouais, bah je partirai sur vigilance, perso. Et j'ai 0 points, hein. Je pense que je... Non, je pensais que je pouvais en changer facilement, mais en fait non. Je vais partir sur vigilance, hein. Ça me semble être ce qui est le plus intéressant. Après, le ventre entraîneur pour la réinitialiser. Donc si je vais ici. Le maniement d'un sabre laser. Ok. De la je vais me faire foutre. Je vais me faire foutre. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. On a pu gagner un sort en plus, ce qui est assez cool. Rappel. Les voyages motorisés sont réservés aux affaires officielles. Mais non, je suis juste venu me faire entraîner, c'est pas grave. C'est normal en soi. Ça ne pose de problème à personne. On y retourne. Ça m'aura quand même coûté la peau du cul. Je veux pas dire, hein, mais... Le taxi, ça coûte cher. Là, j'en ai pour 40€ de taxi. Oh là là. Tu me diras, sur moi, j'ai 382€. Je suis pas riche. Pas riche du tout. Mon compte en banque est vide. C'est la galère. Ok. On va aller vendre des gants. Des gants pour un total de je ne sais pas combien. C'est pas marqué. On va aller voir. Si je lui vends des gants au mec là-bas. Là. Il y a d'autres vendeurs ici. Marchand d'armes. Attendez. Oula, vous êtes vraiment à deux doigts de vous faire défoncer quoi. On a toutes les choses utiles pour un soldat et même d'autres. 25 crédits. OK. Fleuré. D'accord, 500 crédits, d'accord. OK, va te faire foutre. Et apparemment, ils font moins de dégâts. L'âme du challenger. Et l'âme de... Ouais, ça je peux pas l'utiliser. Enfin, j'ai pas envie de l'utiliser. Faites non plus. Attention à vous. Ici, qu'est-ce qu'on a? Bonjour. Chuba Damaxa. Armure lourde. Ah, c'est la même. D'accord. Juste pour voir. C'est moche, hein. Je veux pas dire, mais... Pourquoi celle-là est... D'accord. Chemise de voyageur, torse. Ah, d'accord, c'est du léger, d'accord, ok. Ils ont du léger en vert, eux, mais moi j'ai pas le droit. C'est cool, merci. C'est quoi cette armure? D'accord, c'est que des bottes. Ils vendent des bottes. Bon, t'es pas intéressant comme bonhomme, désolé. Popé topé. C'était le dé. À tes souhaits. Ok, la suite. Oh, je vois une quéquette par là. Bonjour. La 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 la. Jedi, accordez quelques instants à une humble servante de la matriarche. Je vous assure que vos autres missions peuvent attendre. Je m'appelle Védériat Ayon. Je soulage les corps et les esprits des villageois et j'ai une demande. D'accord. Je vais parler des déchiqueteurs. Ces derniers temps, ils sont devenus plus forts et je sais pourquoi. J'ai les yeux et les oreilles grands ouverts. Les déchiqueteurs expérimentent et concoctent un élixir qui les rend féroces. Ceux qui le boivent deviennent fous. L'écume leur sort de la bouche et ils bondissent comme des animaux affamés. C'est un remède noir, primitif et maléfique. Comment les déchiqueteurs ont-ils appris à faire ça? Je l'ignore. Une telle cruauté dépasse notre entendement. On n'est pas assez nombreux pour attaquer directement les déchiqueteurs. Et même les Jedi ne pourraient pas éliminer ces monstres de la surface de Titan. Mais on n'en a pas envie, on n'est pas là pour faire des génocides. Les Jedi pourraient atteindre les grottes des déchiqueteurs et détruire leurs réserves d'élixirs. Je vais le faire. J'en suis. Merci beaucoup. Odumis Mer sait où se trouvent les cuves. C'est le chef des gardes.
Allez le voir pour apprendre les secrets des déchiqueteurs. Bien, dame. Oh, Dumis! Oh, Dumis! Où es-tu? Ok. Eh ben, j'ai pas le droit. Merci. Crac. Voilà, je réactive mon sort. Attendez, mais quand je fais ça, en fait, je suis aussi en train de briller, non, ou pas? Oh, je brille bleu. Je préférais briller jaune, comme tous les autres. Quel dommage. Ok. Yulep fan. C'est pas toi que je parle, normalement. Encore de jeunes Jedi à Kalikori, je vois. Je suis Yulep fan, le maître des rituels. Je vous souhaite la bienvenue. J'imagine merci, si je suppose. Vous voulez participer au rituel. Vous comprenez les risques? Le rituel? Je suis désolé, mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Alors, on ne vous a rien dit. Excusez-moi. Non. Beaucoup de vos camarades, vos padawans, sont venus à Kalikori pour accomplir notre rituel de passage. Ceux qui accomplissent le rituel ont l'honneur de rencontrer Kolovich pour recevoir sa sagesse et ses présents. Expliquez-vous, s'il vous plaît. Qui est Kolovich? En quoi consiste ce rituel? Kolovich vit dans les montagnes, là-haut. Autrefois notre chef, aujourd'hui il nous guide et nous protège. D'accord. Pour accomplir le rituel, vous devez monter les 1000 marches qui mènent chez elle. Oh putain. Vous devez porter un flambeau et allumer les signaux le long du chemin. Vous devez protéger la flamme des bêtes et des déchiqueteurs. Oh, je sens que ça va être épique. Voir votre valeur. Si vous êtes d'accord, je vais allumer le flambeau. Il ne brûle pas très longtemps, mais si vous avez du mérite, ça suffira. Allumez le flambeau, allumez le feu, allumez le feu, et voir grandir la flamme dans vos yeux. Bref, allumez le premier signal, allons-y. Apparemment j'ai du feu, ça ne se voit pas, mais j'en ai. J'allume. Allumez le feu, j'ai une torche maintenant qui me sort droit du cul. Je l'ai remise droite en m'asseyant dessus. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est quoi ça? Parlez au monsieur. D'accord. Je veux pas parler au monsieur, je veux avancer. Ah mais en fait, je suis en train d'aller voir la matrice. Non. What? Bon les filles, on va pas se faire de mal hein. Boum, voilà. Hop, voilà, merci d'être passé, c'est gentil. Crac, j'aurais bien aimé avoir le texte pour voir ce que j'ai reçu. Poignée de... Ah. C'est marrant le symbole qu'il a là. Ça m'intéresse moi. Mais il est différent en plus. Et il est plus balèze en plus. Ah, pantalon en cuir. Moi. Cuir, moustache. Ah oui. Le cuir. Voilà, merci. Tellement de cuir. Oh, bonjour. Objectif bonus. Tuer les criards, d'accord. Vaincre les esclavagistes et les maîtres d'esclaves, déchiqueteurs. D'accord. C'est vous. Je te veux pas de mal, toi, tu sais, hein, mais... Vu que tu veux me tuer absolument, je me défends. Il y a un flambeau là-bas. Bonjour. Ok. Essayons ça. D'accord, c'était stylé. Et ça, c'était pas mal non plus. Et ça, c'est bien. Allons-y. Oh, que du gris. Quel dommage. Ok. Il n'en reste plus qu'un à battre. Le problème, c'est que j'ai rattrapé un autre de nos... Un autre joueur. Du coup, je vais attendre un peu qu'il y ait un peu de repop en battant ce petit Orant. Voilà. Honnête, hein, c'était complètement gratuit. Oh, un doyen. Si je m'approche assez près, je le scanne, non, c'est ça? Aucune idée. J'aimerais bien que ça repop un petit coup, parce que le monsieur là-bas, il est en train de faire des dégâts à tout le monde, et du coup, moi, j'ai pas mes groupes. Boum! Ça, c'est du saut en longueur. T'as cru que j'allais me laisser
abattre. Alors, est-ce que ça peut repop, s'il vous plaît? J'avais oublié un... Bon, ça doit pas être grand-chose dedans. Il me semblait que tout à l'heure, c'était vert quand il y a eu du vert dedans. Je me suis peut-être trompé, mais je ne pense pas. Alors, ça m'embête, parce que du coup, il n'y a plus personne. Et du coup, là, je suis assez... Il n'y a plus personne, Gaston. Gaston, il me l'a mis droit dans le fion. Et il n'est pas question qu'il recommence. Non, non, ça marche pas. Boum. C'est stylé cette attaque, hein. Fantocyclone. Ça, c'était quoi? Tempête de lame. Oui, tempête de lame, exact. La vache, elle a 12 secondes, donc elle doit être puissante, hein, cette technique. Bonjour. Ah, au revoir. Ah. Ça a repop. Bonjour. Tu sais quoi? Regarde ça. Boum. Oh, t'avais rien sur toi, quel dommage. Ok, pour ce qui est du bonus, je l'ai fait. Je m'appelle pas Marcus Bonus pour rien. Je vais regarder quand même s'il y a pas... Ah voilà, des ennemis avec des... Des symboles. Succès obtenu. Putain. Ils sont où les succès? Il est où le truc de succès? C'est bien dans les succès. Brassard en cuir. Ok, alors attendez. Hop. Outil succès. Comment je sais? Ah. Où ils sont mes succès? Où suis-je censé voir mes putains de succès? Les succès. Les succès. Les succès. Où ils sont censés être? Où je suis censé voir les succès de mon personnage? Ah, je suis pas le seul à chercher. Le logo héritage en haut de tabarre. Feuille de personnage. C'est ça? C'est ça, non? Le logo héritage. Le logo héritage, bien sûr. C'est pas mal. Non, c'est pas ça. Non, non, annulé. Hop, le logo héritage. Héritage, héritage. Le logo héritage, mais c'est le logo héritage. Mais bien sûr, le logo héritage, chers amis. Le logo héritage. Le logo héritage. C'est pas possible. Héritage, héritage. C'est là-dedans, non? Je sais pas. En haut de tabac. C'est fou, hein. Alors, héritage. Aptitude de combat. Non. Ah non, c'est pas là. On a de mission. Mission personnelle. Personnelle, personnelle. Mais ellipse. Re, chers amis, alors apparemment mon interface n'est pas complète. Mais les succès c'est Y. Voilà. 3. Cassez-vous. Et toi décède.
Merci. Alors, j'ai dit décède. Merci. Alors juste pour voir, t'as pas du verre qui tombe, non? Non, pas du tout, ok. Bon, bah au moins on a répondu à la question. Dégage, tu décèdes. Mais merde, il est pas décédé. Il est pas décédé, je suis vexé. Décède, merci. Toujours pas de verre, et donc il me donne pas de verre. Mais je suis persuadé pourtant que c'était quand il avait du verre. Donc bon, apparemment, c'est mon interface en haut qui n'est pas complète. Apparemment, la barre devrait être beaucoup plus longue. Mais elle ne l'est pas. Alors, j'ai beau être allé voir dans l'éditeur d'interface tout ça. Regardez. Hop. Qu'est-ce que je suis censé faire? Oui, voilà. Aucune idée. Bonjour les filles. Ok, alors je sais que j'avais un autre truc qui permettait de récupérer des points de... Génère 5, ah vous voyez, regarde, c'est du vert, là. Bande de poignée, doublée d'Adari, voilà. Et c'est léger, du coup je gagne moins d'armure, du coup je vais pas... Comme je suis un tank, je vais quand même rester sur le principe. Enfin, je suis censé être un tank, mais c'est vrai que j'ai pas pris le truc de tank. Je sais pas, blah. Alors c'est parce que t'es trop loin, d'accord, ok, hop, voilà. Boum, 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 c'est fini. Ok, et là c'est du bleu. Ok. Voilà, ramenez-vous. Voilà, crac. C'est bon. Problème presque résolu. C'est dommage qu'il y ait autant de temps avant l'apparition de la... De l'éclair de loot, on va dire. De l'icône de loot, de l'affichage du loot. Je sais pas comment on peut dire. Parce que l'affichage, ça veut plutôt dire le fait que le temps de la fenêtre qui s'ouvre... Parler à Kolovich. Bonjour. Là, il n'y a plus personne. Là, d'un seul coup, ils ont compris. Hein. À coup de sabre, ils ont compris. Je veux pas dire. Bonjour. Ah bah si, encore. Oh. Toi, t'es une belle étoile. Bonjour. Aïe. Tu crois pouvoir me battre? Allez, défends-toi, Marcus. Hein. Il fait mal, hein, je veux pas dire, mais... Hop. Voilà de quoi retourner le champ de bataille. Boum. Et voilà. Tu étais un élite, tu es maintenant un décès. Enfin, un cadavre, un macabé, tout ce que tu veux. C'est une armure intermédiaire qui semble être un peu mieux que la mienne. Qui est cependant très très moche, hein, très très laide, malheureusement. Mais c'était sympa de pouvoir battre un élite. Dites-moi que je peux le recombattre via une suite de quêtes et puis ça va être sympa. Ce serait vraiment cool en fait, vous savez, qu'ils me disent, bah là, va le battre. Et ouais, j'y retourne, y'a pas de soucis. No soucis, man, no soucis. Ok. Donc ouais, ça m'ennuie un petit peu pour l'interface en haut. Hein. Fait que ce soit pas complète, ça me trouve le cul. Soyons honnêtes, hein, c'est... Hop, bonjour, Kolovich. Vous accomplissez. Ah, t'es pas mieux habillé que les autres. Le rite des pèlerins, Jedi. Merci. J'ai vu les signaux s'enflammer sur votre passage. Parfait. Vous n'êtes pas nombreux à être allés aussi loin. Je suis Kolovich, première matriarche, électrice des textes anciens. D'accord. J'ai conduit notre peuple sur cette planète et je vous souhaite la bienvenue. Merci. C'est un privilège de vous rencontrer, matriarche. Et c'est un privilège pour moi de rencontrer un Jedi qui accepte notre mode de vie. Même ceux de notre espèce, des torches. Les autres Twi'lek, se sont moqués de nous et ont rejeté l'autorité des matriarches. Ah d'accord. C'est pour ça qu'on est venu ici. À présent, vous avez accompli le rituel et vous êtes l'ami des pèlerins. Je vais essayer de désafficher mon casque. Et vous partagez notre force. Je suis au service de l'ordre Jedi, pas des pèlerins. Et pourtant, vous êtes venu. Prenez ces présents. On n'a pas grand-chose, comme vous devez le savoir, mais vous êtes un Jedi. Vous partagez notre monde, et vous devez faire face à un avenir difficile. J'aimerais vous aider. Je suis ici pour aider. Y a-t-il quelque chose à faire? Souvenez-vous de nous.
et souvenez-vous de notre destin. Allez faire votre devoir. C'est bizarre quand même. Et alors qu'on se sépare, sachez que ma bénédiction vous accompagne. Merci. Oh, des lunettes. D'accord. Enfin, ça ressemble à des lunettes ou un bandeau. En tout cas, bien mieux. Bah écoutez, je vais pas me plaindre. Oh, qu'est-ce que c'est donc du coup? Un bandeau. D'accord, simplement un bandeau. Oh bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, est-ce que le monsieur il est réapparu en bas? Qu'on leur fout une branlée. Eh, j'ai cru qu'ils allaient pas prendre des dégâts, mais en fait si, hein, il en prend. Hein. Bon. Est-ce que le monsieur va accepter de vouloir repop? On va attendre un petit peu. Je fais une petite ellipse, chers amis, jusqu'à ce qu'il repop. A tout de suite. Re, chers amis, Mar Gavrok est réapparu, nous allons le combattre à nouveau. Bonjour. Bonjour. J'aimerais te passer un petit coup de ça sur la tronche déjà. Ensuite un petit coup de ça. Un petit coup de ça. Et veux-tu un petit coup de force aussi au passage? Et tiens, en parlant de force, regarde, reprends-en une petite couche. Voilà, et tu es mouru. Non, pas encore. Et là, tu es décédé, voilà. Du verre encore, voilà pourquoi j'aime bien. Ah bah. Armure légère, dommage, ça m'intéresse pas. Je peux virer ça? Voilà, merci. Je vais quand même la prendre pour pouvoir la revendre. Mouah. Alors j'aimerais voir aussi, parce que vous savez que j'ai ce pouvoir... non, pas ce pouvoir-là. J'ai vu que j'avais un pouvoir de retour à la maison. Général, voyage rapide. Voilà. Je vais bien le mettre là, merci. Je suis niveau 7, je ferais peut-être bien de remonter jusqu'ici. Hop. Téléporte à con. Plouc. Une navette a été envoyée. Ouh. Oh, ils envoient une navette. Ouh. Ah, bonjour. Bonjour, c'est moi, je suis de retour. Ouais, c'est encore moi. Le maniement d'un sabre laser tient autant de la science que de l'art. On peut s'entraîner à tout moment. J'aime bien un truc qui me fait à moitié chier, c'est le niveau 1 là pour avoir le truc. Enfin bon, c'est pas grave. Réparez tout s'il te plaît, merci. Compacté. J'aimerais vendre. Tu accepterais de que je te vende des choses? Genre... Je sais pas, j'aimerais garder ça dans un coffre. Si je te vends ça par exemple, ça, ça. Bon bah apparemment il l'accepte, problème. Ce qui me fait que j'ai 1147 crédits, je suis riche. D'accord, sociabilité. D'accord. Et... On a toutes les choses utiles pour un soldat. Et même d'autres qui le sont moins. Ah ah, mes sabres sont mieux. Mouah ah. Ce n'est pas grave. On va reprendre le... Le voyage rapide, chers amis. Service médical. Ok, je voulais juste voir ce que c'était. Et on va se rendre sur place, donc au niveau du village. Hein. Hop. Les voyages motorisés sont réservés. Et je pense que... Nous allons nous laisser là dans quelques minutes, je pense au retour... n'hésitez pas si vous avez des questions, je pourrais aller voir, si vous voulez que j'aille voir un petit peu, que je me renseigne un petit peu sur le jeu, dites-le moi. Si vous voulez des infos sur le système d'abonnement, dites-le moi. Moi ça ne m'intéresse pas, c'est le principe du free-to-play, c'est que je peux jouer gratuitement. Hein. Certains d'entre vous peut-être accepteraient de payer, si vous voulez des infos là-dessus, je peux vous les donner. Quoi que vous ayez, si vous avez des questions, dites-le moi. Et j'essaierai d'y répondre dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo, en tout cas les amis, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens. Et yop, et je vous fais fi du petit déplacement, enfin la fin du déplacement. Salut! De toute façon on est arrivé là je crois. Ouais on est arrivé, salut!